Hey, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Alors, il n'y a pas de grande actualité ce soir, je vais faire un petit live parce que je suis dans mon garage et je bricole. Et voilà, donc bonsoir à tous ceux qui arrivent, bonsoir Black, bonsoir Rémi, Modélisme, Le Ch'ti, et salut Joseph. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, pour ceux qui ont. À moins qu'ils ne l'ont pas vu, ça s'est terminé hier vers minuit, la réalisation de la carrosserie d'André qui s'est terminée. Voilà. Alors couper les notifs. Pendant 1 heure. Alors. Alors j'ai diverses choses à faire. Notamment mettre du vernis sous la carrosserie de Vini. J'ai plusieurs projets. J'ai une deuxième carrosserie à faire pour Vini. Donc il m'a demandé, on va dire, un design qui est une copie d'une carrosserie BT Design. Donc je vais quand même le modifier un peu parce que je ne veux pas faire tout à fait pareil. Et j'ai pas mal de choses à faire. Après, si vous en avez marre de voir de la carreau, je peux faire du modélisme. Je vais faire ça avec le pinceau. Très belle la carreau d'hier. Merci, merci. Merci Black. Bon alors les gars, vous pensez rerouler dans combien de temps? Samedi, ah oui, il y en a qui peuvent rouler. Vous en avez de la chance. Et bonsoir, Cooter. Bienvenue à toi. Je la mets en arrière-plan, la carreau. Non. Ah oui, en fait, il faudrait que je bouge la webcam. Toc. Voilà, comme ça, vous voyez la carreau qui a été terminée hier en même temps. Ouh là là, les notifs là, faut qu'on se calme là. Sourdine, tac. Ok. Hop. Vendredi après ou samedi, ça t'irait pour que je puisse te ramener mes carreaux. Ah oui, c'est parce que toi t'as deux pseudos différents, toi. Tu t'appelles pas pareil ici et sur Facebook. Du coup, à chaque fois, je fais pas le rapprochement. Oui, normalement, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a que je.
Attendez, ouais, enfin tu m'appelles avant parce que. Ou tu m'appelles ou tu m'envoies un message. Parce que bah des fois je bouge en journée, ça arrive. Ah oui, donc pour Monsieur Cooter, j'aurai une carrosserie avec le look de son logo. Là, je connais pas trop ce truc. Ça vient d'un film, je pense, là. General Lee, c'est ça? Ça vient de quel film, ça? Je connais pas trop. Bonsoir Guada, pas du tout, pas du tout. En fait, tu fais partie des personnes qui me connaissent pas vraiment. L'aérographe, je débute, hein. Je débute. C'est absolument pas un gagne-pain, pas du tout, du tout, du tout. Mais alors pas du tout. Et pour l'instant, j'ai fait que trois carrosseries pour des copains, voilà. Donc c'est vraiment... Si ça peut te répondre à mes questions, je suis un... J'en suis... Il faudrait que je compte, mais j'ai même pas fait 10 carrosseries à l'aérographe. Voilà. Donc la plupart sont mes carrosseries. Salut Denis Chocho, comment il va? Et encore merci Denis hein, pour la participation, le don à la chaîne que t'as fait hier. T'as vu, c'est encore affiché sur l'écran hein, avec Lolotte et Ulbarek. Général Lee, shérif, fais-moi peur. C'est ça. C'est marrant parce que c'est pas une série que j'ai regardée. Ça a pas dû être trop mon époque, ça. Ou alors je suis passé à côté de ça. Avec la Dodge Charger, ouais. Et alors Guada, pourquoi cette question? Pourquoi tu te poses cette question? Oui, j'en ai mis hier sur celle-ci. Sur celle-ci. Ah non, c'était. Je l'ai mis à l'aérographe. Là, sur celui-là, je le mets au pinceau. En fait, suivant la manière où. Voilà. Des fois, bah là, quand j'ai pas eu l'occasion de mettre le vernis, je le mets après. Je laisse passer quelques jours de séchage, vraiment de la peinture. Et puis après, je mets mon vernis. Après, ben. En tout cas, le vernis, bon bah, c'est ce que je disais, hein, c'est plutôt pour protéger du traitement à pneus et puis même des griffes, des frottements de la carreau. Et sinon, oui, j'ai testé du vernis en bombe, Joseph, pour te répondre. Celui que j'ai pris, j'en ai été très déçu, parce qu'il était très 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 grossier. Mais alors tellement grossier que ça faisait des grains comme un truc granuleux. Alors, je l'ai encore, je peux te montrer la référence si tu veux. C'est du RC. RC Car. L'année dernière, j'avais fait une commande sur un site allemand. T2 Shop, là, ou Tony Sport, je sais plus. Et c'est là que je l'avais pris.
A priori, c'est un vernis double usage et il est ex. Donc, tu as vraiment un rendu tout granuleux à l'intérieur de la carreau. Ce vernis permet aussi de coller si tu découpes des images, si tu veux les mettre à l'intérieur de ta carreau, tu les colles avec ce vernis. Et voilà. Hop. Enfin, si ça t'intéresse, justement. Pourquoi tu en as commandé? Donc, mais oui, pour les personnes qui font pas d'aérographe, c'est très bien d'acheter un vernis en bombe. Après, pour le vernis, je suis pas sûr que vous êtes obligé d'acheter du vernis spécial modélisme. Hein. Tu sais, tu peux prendre n'importe quel vernis. Comme tout, faut toujours faire une première couche très légère et la faire sécher. Et après, tu peux charger une deuxième couche. Mais si la première couche de tout ce que tu fais en bombe, tu t'y vas lourdement, mettre une bonne couche, ça va attaquer les couches en dessous. Coucou Tamia, bienvenue. Salut Romano, comment ça va? Bah de rien. Alors attends, je vais te regarder. Je vais regarder ce que c'est la bombe. Mais ouais, pourquoi Joseph, tu me disais t'en as acheté toi? Alors. Bah moi j'ai pas vu cette série. Et Dizzy Duke. Non, non. Non, moi ça bosse pas dur. Ça y va cool. Cool. Bon. Je crois que c'est bon pour cette carrosserie-là. T'as vu Romano, la petite carrosserie que j'ai peinte hier? Voilà. Attendez, je reviens tout de suite. Faut que je passe mon tapis à l'eau. J'avais renversé du vernis. Alors Romano, comme ça, il paraît que t'es la vie plante. L'autre jour, d'un seul coup, j'ai eu du monde qui a débarqué sur mon live. Il y a eu une petite vague d'affluence. Puis ils m'ont dit, ah oh, bah chez Romano, ça plante. Et salut à tous ceux que j'ai pas dit bonsoir. Salut Sylvain. Tes carrosseries, Guada me dit, tes carrosseries sont du travail de pro car l'aérographe c'est chaud. Alors, bah, j'avoue que le résultat visuel il est très joli. Après, pour les pros, ils ont plein de remarques à me faire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a contacté en privé aujourd'hui qui a été très sympathique, pas comme tout le monde, et qui m'a justement donné des petits conseils, donc que j'ai beaucoup apprécié. Ça n'a pas été le cas de tous les commentaires que j'ai eu sur ma chaîne. Hein. Comme tous les youtubeurs, on est soumis à subir les critiques de gros cons. Ah voilà, donc j'ai pas été épargné. Il y en a un qui m'a demandé d'arrêter de me la péter avec mes peintures.
Il m'a dit que je faisais de la merde, donc ça me fait trop marrer. Voilà, j'arrête pas de dire que je suis débutant, que j'ai commencé, j'en suis même pas à 10 carrosseries. Donc je suis en phase d'apprentissage et je me la pète pas, à moins que vous me le dites si je me la pète, mais c'est pas mon but. Voilà, ça m'a fait un peu doucement sourire et un peu grincer des dents quand même de lire des commentaires comme ça. Enfin, pas des, il y en a eu un, mais vraiment, c'est assez désobligeant, quoi. C'est vraiment malheureux d'avoir des gens qui nous juge sur une première vidéo. C'est pour ça que Guada, là, tu vois, quand tu m'as demandé tout de suite si j'étais un pro, je dis ah non, je suis pas un pro. Je suis juste quelqu'un qui vient de faire un investissement pendant le premier confinement, qui achète un aérographe et qui a envie de savoir bien le maîtriser. Voilà. Et donc, j'essaye de faire des carreaux et puis ben, là, j'ai encore des copains autour de moi qui m'en ont demandé. Donc, non, non, mais bien vu, Romano. N'en parle pas, laisse tomber. Voilà. Regarde ceux qui te soutiennent et rien d'autre, tout à fait. Mais le cerveau humain est fait que on retient. S'il y a 99 mecs qui vont nous dire que c'est bien et qu'il y en a un qui va nous pourrir la vie, en fait, le cerveau, je sais pas pourquoi, il le met toujours un petit peu en avant. Alors là, je l'ai verni. Donc là, c'est parfait. Cette carreau, elle est finie. Donc pour eux, c'est bon. Alors les gars, je vais faire un petit test peinture. Donc là, je vais peut-être faire de la merde, mais j'ai besoin de faire des exercices. Ouais. Donc je vais faire de l'exercice. Faut que ce soit Légion. C'est noté, Romano. Salut à tous ceux qui débarquent. Salut Laurent. Eh mais du coup les gars là, il commence à y avoir du monde. Bon là soyez indulgents. Je fais des exercices pour m'entraîner. J'ai envie d'essayer d'apprendre à faire des flammes, des flammes à l'arrache, pas des flammes avec des pochoirs. Mais des flammes à l'aérographe. Bon. Donc c'est des feuilles de papier. C'est juste que j'en ai bombé une tout à l'heure. Avec de la peinture en bombe de chez Action à 2,50 €. Alors, on va. Est-ce que. Je vais peut-être le mettre en ponte. Je vais voir, je vais déjà essayer de peindre comme ça. On va monter l'aéro. Salut à tous ceux qui arrivent, il y a du monde hein, d'un seul coup là. Salut Greg. Ah non, le bouton est encore tombé. Bon les gars. Il y a une question, vous savez que je fais un petit concours en ce moment. Et le concours, celui qui aura le plus de points dans 10 jours, à peu près, hein, plus la date avance. Et celui qui aura le plus de points, il aura gagné une peinture de carrosserie faite par moi, un débutant. Donc, j'essaye de faire plein de types de questions. Et voilà. Et comme il y a une personne sur le live là qui m'a aidé dernièrement, qui m'a fait un peu de pub, bah, c'est Romano. La question, attention, la question va être sur Romano. Je prends les trois premiers. Allez, combien d'abonnés Monsieur Romano a sur sa chaîne YouTube? On va les vérifier ensemble, je prendrai les trois premières réponses. Hop, hop, hop. C'est mon homme qui t'a demandé. Alors même moi, je sais pas, il va falloir que j'aille vérifier pour voir qui va gagner.
ou la grosse. Quand on fait de l'aérographe, des fois on se prend pour une infirmière avec toutes ces aiguilles. Le nombre exact, bah écoute, c'est pas marqué, Romano. Allez, écoute, dans une minute, Romano, si tu sais mettre le nombre, et comme ça, je prendrai ceux qui sont le plus proches. Et puis, bien entendu, au passage, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bah, abonnez-vous. J'ai mal nettoyé hier. Hop. Désabonnez-vous. Bonsoir Marco. Eh dis donc, hein. Bon alors, monsieur Romano, quel est le chiffre exact? Tu sais pas quand. Alors le bon chiffre, 5939. Hop. De toute façon, c'est trop tard. La réponse a été donnée, monsieur Guérin. Alors, elle est où ma feuille? Elle est là, la feuille. Alors, les gars. Alors, Rome a dit 5939. Tout ce qui a été après Rome, je compte pas. Il n'y a que un qui a la réponse parfaite. Ok, alors 5000. Fabrice Guérin, effectivement, c'est la réponse parfaite. Alors, est-ce que tu avais déjà une bonne réponse, monsieur Fabrice?
Non. Donc je te rajoute. Fabrice, un point. Après, on va quand même donner. Non, tu sais quoi, Fabrice, comme c'est la seule bonne réponse parfaite, on va lui mettre 2 points. Ensuite, ceux qui ont été tout près. Ah bah non. Qui c'est? Bah non, en fait, c'est que le même. C'est tout le temps le même. 5939. Non, les autres sont assez loin quand même. Non, bah, il n'y a que lui qui mérite. Comment ça se fait qu'il y en a qui ont dit 5,9? Attention, il y a des pots de peinture ouverts, je crois. YouTube. C'est bizarre ce que ça fait avec le nom de la chose. Ouais. Bonjour. Hein? De quoi? Alors, elle donne, ça fait bizarre. Ça fait un. Bah, pourquoi? Moi j'ai 5930. Je sais pas, on dirait qu'il s'est passé des trucs bizarres, regarde ici. Là. Oui, bah tu viens de le voir, tout à fait. Mais c'est pourquoi? C'est des projections noires, c'est des défauts. Tout à fait. Bonjour Virgile, excuse-moi. Il y en a qui te disent bonjour. Salut Pierre-Yves. C'est bizarre, il y a presque pas de vitres. J'ai un DTM10 qui arrive sur la chaîne. Ah, et c'est quoi? Moi j'ai vu que tu avais une Tamiya déjà. Elle était magnifique cette Tamiya. Ok, bon, alors on va passer. Et Romain, j'ai envie de réessayer de faire des. Tu sais, comme j'avais fait l'autre fois. Non, viens pas, c'est moi qui dépense. Je vais essayer de refaire des flammes, tu sais, avec mon tâche. Tu te souviens? Tu sais où je l'ai mis? Ça, tu penses qu'il y aura du carbone? Oui, je vais essayer. Alors, tu sais mon petit cache? Ouais. Ah, le cache. Non, tu sais le petit rond que j'avais découpé? Oh, mais tu te souviens qu'on avait acheté un sur un site? Non. Sur Aérographe? Non, j'en ai pas acheté. J'ai ça que j'avais fait. Regarde. C'est ça? Ouais. Je vois pas ce que tu veux dire. Moi, je te parle du rouleau de scotch caché. Ouais, dis ça. Non. Tu parles de quoi, toi? Tu vois pas? Non. On a fait le dessin de donation en vite. Non, je vois pas de quoi tu parles. Tu peux décrire ce que tu veux dire? Regarde. Ah oui, là tu parles d'un rouleau toi. C'était où sur un instant? C'était là? Alors je vais mettre un gant. Salut André! T'as mis quoi dedans? Ah désolé André, il vient d'avoir une question au concours. Hein. Salut à tous les gars. C'est de l'eau? Ouais, non, c'est du diluant. En fait, avant, je mélangeais. Voilà, j'ai condamné un pinceau. C'est le pinceau qui est comme ça. Il est condamné à tout mélanger. Voilà. Pourquoi? Bah parce que. Tu n'utilises pas les bulles? Non, j'arrive pas avec les bulles, je sais pas comment faire. Je t'ai déjà montré. Non, j'ai essayé une fois, j'en ai mis partout. Justement, il faut mettre un truc au-dessus. Le petit pot. Ouais. Ah merde, je suis pas. Est-ce que tu peux me raffiner un petit peu d'eau là-dedans, s'il te plaît? Merci. Ton chat est dead. C'est quoi ça? De quoi vous parlez? Les vidéos humoristiques sur le pour et le contre. Ah, je les connais pas ces vidéos-là. Mais attendez, mon micro il n'est pas tourné au bon endroit. Hop, la caméra.
Alors, qu'est-ce que ça se raconte ici? Alors. Oh là là, ça. Il y en a un qui a beaucoup de choses à dire là. Ton petit chat, il est mort, Romano, celui que j'ai vu dans la vidéo l'autre jour? Oh non. Il a un chat? Ouais, bah a priori, ouais. Ah, c'est triste. Ah oui, dans le monde. Joseph, méthode skin job. Ah bah, pas forcément lui, parce que y a plein de sites. Il y a un Allemand là qui fait des belles vidéos. Mais j'essaye un coup de voir ce que ça peut donner. Et puis, le but, ça serait que je m'entraîne un petit peu, j'en fasse. Que j'essaye d'arriver à avoir un rendu un petit peu comme ça pour pouvoir faire ça sur des flammes comme ça à main levée. Enfin, du flamme ou un rendu un petit peu projeté comme ça fait joli. Sur des avants de carrosserie à moi. Voilà. Salut Anthony Gaillard, bienvenue. Alors, bonsoir Olivier VDC. Papa? Qu'est-ce que tu nous prépares? Rien, Lolo du 81, je ne prépare rien, je fais juste des essais. Oui, voilà. Tu sais comment on fait un bouton? Un bouton de quoi? Comment ça se fabrique en fait? Un bouton de quoi? Un bouton? Un bouton quand t'appuies? Tu déconnes. Si je te raconte tout ça, je sais pas quoi te dire. Je sais pas, on va démonter un clavier. T'as déjà démonté un clavier? Ben voilà. Alors, Tony, c'est l'artiste youtubeur de la RC. Ouais, si tu veux. Ah. Ouais, c'est un gros boulot, ouais, tout à fait, Fabrice. C'est tout à fait un gros boulot, ouais. Complètement.
Alors Tony, comment c'était la guitare en intro? Eh ben, bah moi j'ai trouvé que c'était beau. C'était beau, tu joues super bien, tu nous as épaté Romano en guitare. À refaire. Est-ce que c'était la première fois que tu le faisais sur ta chaîne? De la guitare? Non, franchement, tu te débrouilles, hein, tu touches. Y a du foot, impossible, les gars. Fabrice Guérin, ça paraît tellement simple de te regarder. Là, c'est la première fois que j'essaye de faire ça. J'essaye de faire un petit rendu flamme flamme. En fait, j'essaye de m'exercer pour pouvoir faire d'autres styles complètement. Alors, flamme en mode Casper. Bah pour l'instant, je fais une basse blanche. Hop, on va mettre de l'eau. J'essaye. Merci Justine, c'est juste un test, la première fois. J'avais essayé une fois, c'est la deuxième fois. La première fois, j'avais pas réussi. C'était bah, pendant le premier confinement. Donc là, je retente. Plus je m'entraînerai,
à faire des petits trucs comme ça, plus j'arriverai, je vais maîtriser en fait. C'est vraiment. Philippe Ferrat, en A4 c'est facile, mais sur une carreau ça va être chaud. Ouais, bah le but c'est pas forcément que je fasse des carreaux. Hein. Moi, ça peut être un casque de moto, etc. etc. Bah, une caisse de modélisme, le devant de la caisse de modélisme, ou des grosses carreaux éventuellement. Voilà. Mais c'est vrai que sur des petites carreaux, il n'y a pas la place. Hein. À partir de. Éventuellement, certains capots d'un dixième, c'est faisable. Sinon, sur tout ce qui est un huitième GT, là, il y a largement la place. Les pistes un huitième, il y a la place. Attends, là-dessus, je vais te rajouter une tête de mort par la suite. Je vais me faire un design tête de mort flamme. Je sais, c'est pas la mode, j'en ai rien à faire. Le capot du multiplat. Tu crois pas que le multiplat, c'est déjà assez moche comme ça? C'est quand même la voiture la plus moche du monde, le multiplat. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais. Il y en a qui ont osé acheter ça. Ouais, on va essayer de transformer ça en couleur. Ouais, non, mais t'es pas d'accord quand même. Tu vas pas me dire qu'elle l'a choisi parce qu'elle l'a trouvé beau le multiple là. Bon, je prépare une deuxième question. Faut que j'y pense. Sérieux? Oui, et c'est de la merde. Après, je connais pas trop les derniers multiplats. Moi, je parle du multiplat première version. Sais pas si c'est une bonne idée de mettre. Alors. Non, mais j'ai juste dit que j'aimais pas le look du premier multiplat. Après, moi, les nouveaux, je les connais pas. Je vois pas ce que c'est. Ils sont peut-être plus beaux maintenant. Voilà.
Fabrice Guérin, tu parles du multiplat? À Pau, si je viens à Pau. À Pau, Pau, Pau. Mais dis donc, tu sais que j'habite Lille, hein? C'est pas tout près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, je devrais aller à Auch. Parce que mon petit frère habite Toulouse. Et j'ai un autre frère qui habite Périgueux aussi. Pour moi, c'est l'autre bout du monde, hein? Des tableaux au mur de mon salon. C'est la photo de mes neveux. Ah putain, mais c'est pas possible, Fabrice, faut que t'enlèves ça. Madame m'appelle pour dîner. Bah écoute, va regarder la photo de tes neveux sur le mur. Oh mince, pas de bol, bon courage et bon appétit alors. Oh là là. En tout cas, merci Mathieu, c'est sympa. Qu'est-ce que j'allais faire? Je cherche une question pour le jeu concours. Laissez-moi réfléchir. Ah tiens, ah tiens, tiens. Bon, allez, une question facile pour ceux qui sont cultivés en RC. Quelle est la plus grande puissance de toutes tes batteries? De toutes mes batteries cumulées, additionnées. Attention. Non, non, c'est pas ça la question. La question, c'est assez simple. Quelle est la marque française de pneus? Une marque française de pneus qui fabrique des pneus pour le modélisme. Attention, je prends les trois premiers. Et je veux que ce soit bien écrit. Parce que si j'écris André ENDRE, ça le fait pas. Je prendrai les premières réponses qui sont correctement écrites.
Parce que j'estime que c'est tellement simple. Salut à tous ceux qui arrivent. Alors, une entreprise française qui fabrique des pneus. Ouais, c'est dingue, c'est que je me rends compte qu'il n'y a même pas le drapeau français dessus. Il n'y a pas le drapeau français. Alors ça s'écrit Sismic. Sismik. Et pas comme du lait, comme j'ai pu le voir. Ou comme un tremblement de terre, comme André l'a mis. Alors, les bonnes réponses sont... Les bonnes réponses. On va reprendre dans l'ordre. Oh, bidon, il y en a des réponses. Hein. La première bonne, Sébastien Humbert. Alors, je ne sais pas si je t'ai déjà. Je te rajoute, Sébastien Humbert. Un point. Ensuite. Donc André c'est pas bien écrit, Lolo c'est pas bien écrit, Furious c'est pas bien écrit, Lolo du 8-1, je te prends, l'autre il a tenté tous les orthographes, hop, 9 points Lolo, Kevin c'est très mal écrit aussi, désolé hein, c'est même moi aussi je pense que je l'aurais écrit comme Kevin si j'avais pas su. Et en troisième, Tamiya Kit. Eh oui, notre Suisse favori, Tamiya Kit, qui prend un point sur cette question. Je te cherche, Tamiya Kit. 5 points, Tamiya. Hop. André, c'est dur. Arrête de te plaindre, André. André. Je vais devoir agrandir la feuille rien que pour toi. André qui va râler. Non mais oh. Laisse de la chance aux autres. Tu débutes. Ah, j'ai du mal à faire des questions de débutant, moi. Moi, j'ai débuté, mais il y a 30 ans.
Tony, alors Traxas ou Team Coralie? De quoi, Mathieu? J'ai loupé un truc. Qu'est-ce que j'ai loupé? Salut les gars qui arrivent. Ah, ma marque préférée. Entre Traxas et Team Coralie. Bah, j'en sais rien. C'est deux marques que j'ai pas eues dans ma vie. Je peux pas préférer des trucs que j'ai pas eus. En fait, j'ai pas de orange normal. J'ai un peu de fluo, mais ça va peut-être pas le faire du fluo. Bon, je continue mon test, hein. Tony, il a regardé les tutos. Alors, en fait, ça fait longtemps que j'en avais déjà vu, hein. Mais il faut que je les mette en application, faut les faire, hein. Donc là, moi-même, j'essaye. J'ai pas dit que ça allait être beau ce que j'allais faire, mais j'essaye. Qui ne tente rien ne progresse pas.
Mais peut-être que je vais le pourrir d'un seul coup, Sébastien. J'en sais rien. Je fais un peu au pif là. J'ai zappé sur des tutos il y a quelque temps et je me dis, tiens, il faudrait que j'essaye à peu près de m'entraîner à faire des trucs comme ça. Alors, si je ne me trompe pas, pour donner de la profondeur, il faut repasser par un blanc. À chaque fois. Ah. Toi, t'as regardé plus de tutos que moi, Virgile. Le truc, c'est que si je repasse du blanc, après, il faut que je repasse de la couleur.
Pika Tony. C'est Tony Casso. C'est cher l'investissement pour l'aérographe. Disons que tu peux t'en sortir pour très peu avec du matériel de merde et galérer. Donc, mais ouais, idéalement, pour débuter, prévois un budget complet. Est-ce que tu as un compresseur de garage, etc., etc. Faut savoir ces infos-là. Mais compte 300, 200-300 euros minimum, quoi. Minimum, ouais. Y a des, tu peux t'en sortir pour en économisant à tous les niveaux, mais si c'est pour avoir que de la merde. Ah bah t'as un compresseur de garage, bah c'est ce que j'avais. Donc t'as déjà une partie des bonnes choses. Bah tu vois Virgile, moi je regarde pas beaucoup. Mais ça, je vais essayer de le faire plusieurs fois, pas forcément en live. Hein, voilà. Là, c'est parce que je me dis, tiens, je vais l'essayer complètement de faire des flammes en live. Mais j'essaierai encore. Et le but un jour, c'est que j'essaierai de faire ça, si je peux, dans une carreau. Hein. Mais je veux pas y aller directement dans une carreau comme ça. Une carreau, c'est tout à l'envers. Ça dépend, Sébastien, c'est pour peindre sur papier ou sur carrosserie RC.
peux même faire les petits onds avec des petits points et une légère virgule. Ouais, c'est la première fois, Sébastien. Salut, Jason! Alors, on se voit ce soir? J'essaye de faire des flammes pour faire sur le réservoir de mon vélo. Ouais, bah Virgile, va falloir qu'on passe en vocal un jour ou l'autre, hein. Parce que c'est quoi les petits points, les tisons? Faut que je regarde des trucs, mais à chaque fois ça va trop vite là dans leur tuto. Ah, j'ai fait une merde. Ça m'arrive, ça, régulièrement. Alors, déjà, faut que je regarde une flamme parce que je me souviens plus comment c'est une flamme. Alors, une flamme, j'ai pas un briquet là. Pas de soucis, Virgile, si tu m'aides, ça me plaît. Merci Stéphane, on s'amuse. Je m'amuse, j'ai envie de faire joujou avec mon aérographe.
Voilà Virgile, j'ai repassé du jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde sur l'écran. Bon, c'est... Ça va encore, hein? Seb, salut Seb, c'est pas une carrosserie. Bah c'est rien, c'est des feuilles de papier. J'ai peint une feuille de papier avec une bombe de noir. Et puis je m'amuse à essayer de faire des flammes. Je dis bien, je m'amuse à essayer. C'est ça, j'essaye de m'entraîner pour essayer de... De voir ce que ça peut donner.
fais joujou quoi. Pour essayer de gagner en dextérité. Ouh, l'aérographe, il est sale. Là, j'ai passé toutes mes peintures sans jamais le nettoyer. Il m'a pas embêté. Merci, Black. Après, là-dessus, peut-être encore refaire quelques effets plus clairs par endroit. Et puis un petit coup de vernis, puis ça pèterait, hein, ça pète. Avec du vernis brillant pour augmenter le contraste, puis protéger. À mon avis, un petit vernis là-dessus, ça va augmenter les contrastes. Oh, les héros, il est sale. Ouais, j'ai rajouté du bleu parce qu'en fait j'ai allumé le briquet et bah avec de l'eau Stéphane. Avec de l'eau la plupart des choses, de l'eau dans un pot d'eau comme ça, tu mets de l'eau et une goutte de mire. Là, bah là j'en ai pas mis parce que c'est mon fils que je lui ai demandé, j'avais commencé, il n'y en a pas. Mais sinon tu mets une goutte de mire. L'avantage si t'en mets pas c'est que quand tu prends ton pinceau, tu peux le mettre, mélanger ta peinture avec, il n'y a pas de savon. Et tu te sers de l'eau du pot comme pour diluer ta peinture, puisque c'est des peintures à l'eau. Voilà. Après, ben, des fois, je rajoute pour nettoyer un bâtonnet à oreille. Scary Movie. Un bâtonnet à oreille, tu mets dans l'eau. Tu peux nettoyer la plupart de ta tête, déjà même l'aiguille, hein, en allant à rebrousse aiguille. Voilà. Ensuite, avec le bâtonnet, tu peux nettoyer le fond du godet. Tu vois, c'est comme dans tes oreilles. Regarde. Puis quand t'as pas le temps de nettoyer, bah, sincèrement. Tu vas manger que t'as pas le temps, tu laisses tremper dans le pot d'eau. Voilà, tu t'en fous et tu le nettoies après. Et quand c'est vraiment sec, là comme ça, bah, et que tu n'y arrives pas, bah après t'achètes quand même. Là moi j'ai une bombe spéciale, mais bon, il y a plein de produits qui marchent. Hein, au pire t'as l'acétone, mais là c'est ce produit-là, on dirait qu'il y a de l'éther dedans. Tu vois. Ça pue l'éther et ça s'évapore à une. Mais bon, ça permet de dissoudre les peintures qui sont bien sèches. Voilà, là j'arrivais pas à les enlever avec un chiffon et de l'eau. Et avec ce produit-là, bah, voilà, le godet il commence à être propre en haut. C'est surtout en haut le godet. Le godet il s'assèche vite en haut. Bonsoir. Yaoussef. Et puis hop. Puis là, bah, comme je vais aller manger, toujours je nettoie. Moi, je passe un petit coup de ça dedans dans la buse. Voilà, tu vois, là, il y a un petit peu de couleur rouge qui est sortie. Je le refais une deuxième fois.
C'est vraiment des petites buses, donc faut pas attendre que la peinture elle sèche à l'intérieur. Voilà. Et là, bon bah c'est. Là, tu peux encore y aller au bâtonnet. Mais là, la peinture était sèche parce que je l'avais mal nettoyée hier soir. Voilà, donc là, tu vois, ça, avec un peu de solvant, voilà, ça part en grain la peinture. C'est vraiment quelque chose qui est très très fin, très précis. Il faut pas négliger le nettoyage, sinon ta prochaine session de peinture, elle est merdique. Et à la fin d'une session, au moins sortir une fois l'aiguille. Parce qu'on se rend compte, bah là, voilà, c'est le cas. C'est que l'aiguille, elle est pleine de. Regarde, hop. Tu vois, il y a de la peinture sur ma main quand je frotte l'aiguille. Ça veut dire qu'il y a quand même de la peinture qui va à l'intérieur. Tu vois. Ouais, de l'acétone, ça marche très bien. Après, il faut faire gaffe de ne pas mettre l'acétone sur tout ce qui est joint. Hein. Le joint de la buse aussi, rien du tout. Ça abîme vraiment l'acétone. Regardez là, mon bâtonnet il était propre, j'ai mis un petit coup de solvant dessus. Hop. Voilà. Donc déjà, je l'avais pas bien nettoyé hier soir. Donc là, je fais le gros nettoyage. Voilà. Le nettoyage de printemps. Tu le nettoies pas comme ça à fond entre chaque peinture, hein, mais entre chaque couleur, je veux dire. Mais entre chaque session d'aérographe, faut bien le nettoyer. Salut Bruno! Donc là l'aérographe est sale à l'intérieur. C'est pour ça que je repasse plusieurs fois l'aiguille dans le sens inverse. Hop! Voilà, il est propre. Il est propre de chez propre. Et merde. Alors ça, le gant, j'en ai plus un. Alors, Lolo de 12, excuse-moi, j'avais pas vu ta question. Tu as fait un pochoir. Non, Bruno, je n'ai. Enfin, si, j'ai un bac à vibration, mais j'ai pas encore essayé de mettre l'aérographe là-dedans.
C'est un bac que j'avais acheté chez Lidl il y a 15 ans pour nettoyer mes pièces de moteur thermique à l'époque. Perso, j'ai toujours trouvé que c'était de la merde ce truc. J'en ai un, ouais. Mais bon, je trouve que c'est de la merde. Si vous n'êtes pas soigneux, pour moi, l'aérographe, c'est pas fait pour vous. Si vous êtes soigneux, alors il n'y aura pas de problème. Voilà, mon petit bouchon est propre, l'aérographe est propre, tout est propre. Alors Lolotte, pour te répondre, tu as fait un pochoir flamme pour faire les arrondis? Non, j'ai juste découpé un bout de papier arrondi. Et la plupart du temps, je l'ai fait à main levée en plus, mais c'est ça. J'ai juste découpé un bout de papier qui est là. Je sais pas où il est. Il est quelque part. Je le trouve plus. Il est là. J'ai découpé ça. Avec un ciseau. J'ai fait deux ronds de taille différente et puis j'ai recouvert comme ça. C'est bien de la merde le bac à ultrasons. Bah ouais, je pense que les bacs à ultrasons qui marchent vraiment bien, c'est les bacs professionnels, mais ça coûte 1000 euros quoi. Minimum. Voilà, c'était mon petit délire, m'entraîner à faire un petit peu de flamme. Je regarderai des tutos d'étrangers pour voir ce que je peux améliorer. Puis quand j'aurai fini, je mettrai un vernis, je couperai bien la feuille tac-tac. Et puis, si ça sera mon premier flaming. Voilà. Enfin, j'avais essayé une fois, mais en une couleur. Et là, c'est la première fois que j'essaye avec plus de couleurs. Idéal, ça serait de bien maîtriser à faire ça pour pouvoir réussir un jour à faire une carreau à moi, mais vraiment, vraiment couleur flamme. Ça serait mon délire. Voilà. Oups. Bon, les gars, eh ben cette vidéo, je dirais pas que c'est un tuto puisque c'était un entraînement. Mais je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu sous la vidéo. Et cette vidéo, je vous dis au revoir. Je suis pas sûr de refaire. Je pense pas faire un live ce soir. L'aiguille doit sortir par devant ou l'inverse? Tu dois la sortir par devant, sinon comme elle est sale, tu mets de la peinture encore plus à l'intérieur de l'aérographe. Voilà. Ça c'est. J'ai vu la question, donc j'ai répondu juste avant de coucher. De couper le live. Je vous dis très bonne soirée à vous et à très vite. N'hésitez pas à mettre la petite cloche à côté du bouton s'abonner si vous voulez être informé des prochains lives. Merci à vous, lâchez votre pouce et n'hésitez pas à partager ou à mettre des commentaires sous les vidéos. Salut André, salut Stéphane, salut Tamia, salut Philippe, salut Rémi, salut Black, Virgile, Lolotte, Philippe, Greg. Ouh! Bon, à peu près tous ceux qui ont parlé là dernièrement. N'hésite pas, au Big Geek, il faudrait que je m'abonne à toi. Je te connais pas. Et en tout cas, moi, je suis désireux d'apprendre. Je suis un débutant en aérographe qui a besoin de faire des exercices. Si tu es dans cette mentalité, eh ben, écoute, n'hésite pas à m'ajouter en ami. Moi, je suis désireux d'apprendre et de partager avec toute la communauté. Voilà. Ceux qui sont pas dans cette optique-là, ben, c'est pas mes amis. Voilà. Allez. À tous, salut à tous et merci d'avoir suivi. Vous êtes super les gars. Ciao, ciao.